Et là, c'était le Black Friday avec plein d'offres sur plein de jeux, sauf sur The Witness. Et j'en avais marre, je me suis dit, je veux prendre The Witness. Donc je l'ai pris. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, d'accord, on est sur iPhone, ça marche. Juste qu'apparemment, tout le jeu et système est basé sur des espèces de snakes. Ah, j'ai allumé une énergie. Où tu vas, ficelle jaune? Ça va, je viens de prendre une douche. J'ai fini Watch Dog et pour fêter ça, bah, je me suis dit, je vais me prendre une petite douche. Donc ça va. J'ai l'impression d'être dans les. N'empêche, j'ai l'impression d'être dans les pages de Mickey Magazine. Ou de Picsou Magazine. Pourquoi il y a deux sorties? Ah, là j'ai allumé en haut et sinon je peux allumer en bas. C'est excellent, hein, les puzzles sont vraiment excellents, c'est hyper inventif. C'est hyper inventif, hyper rafraîchissant et c'est vraiment vraiment prenant en fait. Bon, ça fait plus, les puzzles sont vraiment plus office de jeu iPhone, mais c'est vraiment vraiment prenant dans leur mécanique de puzzle. Qu'est-ce que ça a activé? Putain, mais c'est la perpète que ça a activé. Bon, on y va. C'est chaud! C'est chaud sa race! C'est des puzzles que j'ai jamais vus jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et mon cerveau, il n'est pas dans cette mécanique réflexionnaire que de la sorte, quoi. Oh là là là! Oh la qui, tu perds dans ton truc! Oh là là! Essaye de parler le français et du serbe, ça va être Ah, fais chier. Je sais pas. Pourquoi c'est bon là? Bon bah totalement au hasard. Totalement au hasard. Je voulais juste redescendre au rez-de-chaussée en fait. Et là j'ai fait. Ouais, totalement. T'as mon cœur à un crayon, à quel pas? Ah putain. Oh la vache, la poussière. Alors, ça c'est le quatrième, donc il fait ça. Voilà, et on croise les doigts. Oui! Magnifique. Et en fait, on a le même plaisir de réussir des puzzles dans ce jeu que de réussir les puzzles à l'époque sur. Sur Myst, en fait. Allez! Fils de leur maman. Tu veux pas faire l'acrobranche, je kiffe cette zone. C'est vrai qu'elle est vraiment jolie cette zone. Là, ça me fait vraiment penser à Myst. Les fils de leur maman. Ah, si là, il était fun. Si là, il était fun. Ouais, je passe en dessous, c'est comme Pirates des Caraïbes, quoi, c'est génial. Eh, mais on dirait un puzzle dans la fissure. Donc du coup, faut vous laisser ensemble. Ah, c'est terrible comment c'est fait! Donc du coup, faut vous laisser ensemble. Bah, pourquoi ça marche? Y a pas besoin de décoller les berres des mines, putain. Ben voilà. Wouh, il était long ce pont! Oh la vache! Ah oui. Ah oui. Ah oui, il était long ce pont. T'en veux? Allez, c'est le dernier. Ah, c'est le dernier. Bah, si je groupe les quatre, après, ça me prend trop de chemin, en fait. Fini? Bah je vois pas la solution! C'est ultra fini! Ben non, c'est pas ultra fini! Je vois pas comment inclure le dernier là. Ah si, attends. Si c'est bon, je l'ai. Calme-toi, Torif. Oui! Yeah baby! Eh, n'empêche, mon cerveau il a bien progressé par rapport à la dernière fois où je suis arrivé devant son puzzle. Parce que je suis arrivé un peu, j'ai fait. Là au moins j'ai fait. Deux essais, c'est fait. Sans aide, sans rien. Donc mon cerveau a bien progressé, je trouve. Je suis assez content de lui. C'est vraiment joli, hein. Putain, mais regarde-moi ça, le petit rosier là qui escalade là. Oh, 20 000 lieues sous mes mers. 20 000 vieux sous mes mers, je veux dire. Alors, je t'active parce que t'as l'air tout simple, hein.
Putain, c'est ingénieux. Ce jeu, il est tellement ingénieux de partout. Il est tellement ingénieux de partout. Mais non, c'est pas possible. Ah oui, c'est ça, donc il arrive à la... il arrive qu'à la moitié. Donc c'est faux, mon dessin, il est faux. Donc en fait, il part... jusqu'à la moitié... Ah, faut que tu la touches, de temps en temps. Ah oui, donc ça monte. Diable le pro de Rocket League. À la moitié, ça va là. Comment vas-tu, Dalton X? Ça remonte. Ça va, ça va, ça va. Parce qu'en plus, faut penser à l'envers, quoi. Donc c'est un bonheur. Ah, t'es toujours en train de te plaindre. C'est un truc de ouf. Ah non, mais c'est de la plainte que j'aime bien. Donc en fait, le départ se fait en haut, donc en bas. Donc il se fait en haut, donc en bas. Il ouvre le reflet. Reflet. Ça, ça. Ça, ça c'est dans le reflet. Et dans le reflet, le départ, il est en bas, donc en fait ça doit faire ça. Donc si le reflet fait ça, dans la vraie vie, ça fait ça. Oh putain. Oh, oh putain. Oui. Beau gosse. Droit au petit saumon. Il y en a qui marchent aux croquettes, il y en a qui marchent au saumon, ça dépend. Ah, maintenant je vois des boules partout, t'es à tirer. Ah. T'es dans le marais? Non, pas encore. Si, bah des boules, si, normalement t'es dans le marais. Vous avez venir là. Plein de balls. Yes! You firing my laser! Yes! Les marais sont finis! Ce qui est pilote tracté, mon truc, hein. Mais ça marche. Oh. C'était pilote tracté, putain, le chemin de course! Ah, ah la vache! Ah bah voilà, donc il y a bien un ascenseur. Tu vois là, l'oiseau il fait prout prout! En fait, en audio, il fait une note haute et une note basse. Donc en fait, le chemin il doit aller en haut et en bas. Et là, écoute l'oiseau. Tu vois, il fait deux notes hautes, une note basse et une note au milieu. Pip pip ou pip. Ah, c'est ça. Yes. Putain, la vaisselle qui se casse. Yes. Ouh. Ouais, c'est pas ça le game. Oh, au casque, ça fait trop chelou là. Faut écouter quel bruit là. J'adore cet effet, il est tellement bien fait, c'est un truc de dingue. Il est tellement gratifiant cet effet, il est magnifique. Attends, on va les noter ces putains d'oiseaux. Ça va m'aider à les différencier. Ça serait... Mais je l'ai pas fait, ça déjà. Oui. Eh bah ben, tu vois, faut noter les oiseaux. Ouh. Regardez mes prises de notes, sérieux. Attends, je sais pas si vous allez les voir. Voilà comment je résous les puzzles. Du coup, je vois pas comment il est branlable celui-là. Si je fais ça... T'en veux?
Ils voient jamais le panneau là. Il y avait un panneau, sérieux? Il est où le panneau? Où t'as vu un panneau? Là, il y avait un panneau? Ah, non. Un panneau. Un panneau. Un panneau. Un panneau. Un panneau, un panneau, un panneau, un panneau, un panneau. Sur la porte de sortie? Oh, panneau! Mes yeux, ils sont en train de cramer! Ah, j'ai réussi, putain! J'étais pas sûr. Tu veux que je fasse une crise d'épilepsie? Ça marche comment? Oh, mais c'est quoi cette mécanique de barbare là qu'ils t'ont inventé? Attends, me dis pas que le premier aussi est à prendre en compte? Me dis pas que le premier écran aussi est à prendre en compte? Nom d'une turlutopine de pan. Oh putain! C'est génial! Dans ma tête, ça a fait 1 plus ça plus ça plus ça. Parce que là, je suis obligé de faire ça en fait. Et du coup, après, ça correspond plus là-bas. Merde. Mais pourquoi c'était pas bon tout à l'heure? Y'a quoi là-haut? Oh putain, mais y'en a encore! Ah, 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 ah. Je viens d'en trouver un, est-ce que tu le veux? Bon, si tu veux. Ah! T'es sérieux? Faut valider les deux dans le temps? J'ai pas le temps! Ils sont différents à chaque fois! Ah, 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 ah! Ah, croise les doigts! Oui! Oh, c'est métaphysique la fin. En tout cas, jeu de l'année. Witness, jeu de l'année. Parmi les jeux de l'année, il peut concurrencer un puzzle game qui peut concurrencer des triple A en jeu de l'année. C'est pas tous les jours que ça se produit. Et The Witness l'a fait. Ce qui est incroyable. C'est incroyable. En tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir suivi cette aventure sur The Witness. J'ai enfin solutionné le challenge de The Witness, l'ultime challenge, le challenge le plus compliqué. Et bon Dieu que je suis content. J'ai mis 4 heures, j'ai mis 2 heures hier soir, 2 heures ce matin, et là, cet après-midi, en first try, j'ai halluciné. J'ai eu beaucoup de deuxième musique de stress, mais un truc de dingue. Sachant que les deux derniers puzzles, c'est deux pylônes. C'est une horreur de faire des puzzles sur les pylônes, et encore, j'ai eu du bol. Là, j'ai failli me tromper. Là, j'ai vraiment failli me tromper. J'ai failli faire un 3 triangle en haut. J'ai vu jusqu'au dernier moment. Mais comment ne pas stresser Là, j'avais largement le temps, en fait. Là, j'étais en train de stresser, mais j'avais largement le temps parce que la deuxième musique est assez longue. Je crois que... Je pense, je suis pas sûr, au total, les deux musiques, vous avez à peu près 10 minutes pour tout résoudre. Ou un peu moins de 10 minutes. Là, je l'ai fait en 5 minutes. Enfin, non, il manque le début de la vidéo. Bon, je l'ai fait en 6 minutes, on va dire. Parce que les trois premiers puzzles sont hyper simplistes et la table du labyrinthe est hyper simple aussi. Mais voilà. N'hésitez pas à me dire, vous, en combien de temps vous avez fait le challenge? C'est une estimation, si vous avez galéré. Combien d'heures vous avez passé pour résoudre le challenge? Je pense que là, vous aurez une belle estimation. En tout cas, moi, je suis hyper content d'avoir enfin terminé ce The Witness. Là, c'était la délibération. Mais la grosse délibération. Sur ce, les amis, je vous plais plein de poutous partout. Et jouez à The Witness. Bye bye.